Bon, c'est super. Et passons à quelque chose qui est complètement aux antipodes de ça. That's it. Dans le pre-show, avant qu'on commence à enregistrer, Sylvain, tu me disais que tu avais finalement réussi à passer Nioh 2. Explique-moi en 5 minutes pourquoi je devrais peut-être juste jeter un œil là-dessus, genre, mais tu peux après ça, en 1 minute, me dire pourquoi je devrais pas partir. Check. C'est maintenant que j'essaie de la vendre à quelqu'un. Tu manques-tu de challenge dans ta vie? T'aimes-tu? Il manque-tu? Tu sais, mettons, tu t'assis et tu relaxes. Il manque-tu quelqu'un qui vient sauvagement te kicker d'en face constamment pour, genre, améliorer ton expérience de vie? Si tu réponds oui à ces deux questions, ben Nioh 2 pourrait probablement être pour toi. Mais non, en tant que tel, c'est. C'est un jeu d'action qui est quand même assez hardcore. T'sais, encore là, tu sais si t'es la personne pour ça ou pas en tant que tel. C'est très rare que je vois quelqu'un qui est comme pas du tout intéressé par des character action game que Nioh 2 pour eux autres, c'est comme une révélation. C'est comme le hardcore mode de ça. C'est Team Ninja, Monkey Paw Ninja Gaiden. Donc, c'est très rapide comme jeu. Contrairement à Dark Souls, qui est un peu plus accessible étrangement. C'est difficile à dire parce que Dark Souls est extrêmement difficile. Mais en tant que tel, les ennemis vont t'attaquer de manière sauvage. C'est que, littéralement, tu peux rentrer dans un boss room, puis après 2 secondes, t'es mort, puis tu sais pas pourquoi. Tu vas apprendre pourquoi, mais ton moral va prendre le bord. Fait qu'en tant que tel, je te dirais, c'est littéralement pour les fans de Souls-like game qu'on appelle ça, comme les Bloodborne, les The Surge de ce monde. Un nouveau style de jeu vidéo. Un des meilleurs, selon moi, genre style de jeu vidéo qui a surfacé dans le temps du PlayStation 3, surprenant de From Software, qui était considéré un garbage tier développeur. On ne sait jamais d'ici que ça peut sortir, mais non. Ça allait créer, comme genre des codes 20, tout ça allait créer pour moi un nouveau genre. Que, j'adorais les character action games. Finalement, il y a comme un autre genre qui m'intéresse. Fait que si tu aimes Dark Souls, tu aimes Bloodborne, tu peux peut-être tremper ton taux dans la piscine. Puis te dire que peut-être Nioh 2 c'est pour toi parce que c'est très très dense. J'ai rendu pratiquement 3/4 du jeu, puis j'ai appris à faire ah, tu peux faire ça avec le blacksmith, que le jeu m'expliquait fuck all. Fait qu'en tant que tel, pour te le vendre, toi, je te dis non, parce qu'en général, c'est japonais, c'est un character action game, puis c'est très long en tant que tel comme jeu. Si, admettons, vous aimez ça, n'avoir votre argent, le monde de Resident Evil 3, ben, tu en auras pendant des siècles. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, en tant que tel, j'ai demandé essayer de me le vendre. Léo, chaque chose que tu dis, ça me donne encore moins le goût de jouer. Mais ça, je t'ai dit, j'essaie même pas de te le vendre parce que je sais qu'il y a littéralement zéro chance que tu aimes ça. OK. Peut-être, admettons, tu vas trouver ça intriguant au début, mais quand tu vas commencer à jouer, je pense que tu vas te tanner. Parce que je pense que tu te connais ça un peu. C'est pas ton style de jeu, tu sais. Non. Fait que, encore là, moi, je suggère à des gens qui sont des fans de Souls-like, tu sais qui t'es. Fait que rendu là, ben, tu sais, c'est quoi le appeal? C'est comme. Je pense que le mode extrême de Dark Souls, c'est ça que tu vas avoir. Encore là, si tu aimes les mécaniques plus rapides, si tu aimes le feeling de Team Ninja un peu plus, la musique, quelque chose de surprenant, ça, mettons, genre, tu veux passer du temps sur YouTube, la musique de ce jeu-là est vraiment flabbergasting. Là, genre, je vois Final Fantasy VII Remake en même temps, mais je peux te dire que la musique de Nioh 2, pour moi, est vraiment comme... Ça me ferait de la peine de manquer ça. Moi, j'adore ce gars de musique en plus de jeu. Mais check, mettons, tu peux l'écouter en dehors du jeu parce que la musique... Non, mais la musique, elle stand très bien à Londres. Mais la musique de ce jeu-là m'a comme surpris. Ça a comme pris un... Ça a pris un... Par left field, disons, ouais, on peut dire. Ouais. C'est vraiment comme... À toutes les fois, j'étais comme, waouh, c'est vraiment magistral comme soundtrack. Puis l'histoire est beaucoup plus intéressante que dans Nioh 1, que l'histoire était vraiment exécrable. Fait qu'il y a vraiment une nette amélioration. Ça l'invalide quasiment le premier, tellement que c'est meilleur. Mais tu sais, encore là, c'est comme des améliorations qu'ils ont rajoutées. C'est pas comme ça, change pas la game au complet. Non, si t'es pas un fan du premier, t'auras pas le deuxième. Le deuxième est très bon, c'est une belle continuité. Sauf que faites pas un 3, s'il te plaît, faites-moi pas ça. Je suis correct. Faites d'autres choses. T'es-tu satisfait de ton expérience, ultimement? Je suis extrêmement satisfait de mon expérience en l'ayant fini. Ma blonde trouve ça un peu bizarre. Je pense que c'est un peu comme je sens sexiste, mais un peu comme un côté fille qui ne comprenne pas pourquoi quelqu'un qui crie après sa télévision, genre, puis comme il a le goût, genre, de prendre sa manette et la pitcher, genre, sur le voisin d'à côté. Je peux dire que, dans le fond, après ça, avec un straight face, qu'il aime ce jeu-là, puis qu'il adore ça, puis qu'il a hâte de rejouer dans pas long. Mais oui, enfin, maintenant, tu vois le sourire que j'ai, ça, c'est le sourire de quelqu'un qui a fini Nioh 2. C'est ça, qui se la raconte même quasiment. Ça l'a enrichi ma vie après cours, mais non, j'ai aimé ça jouer au jeu, mais c'est sûr que tu allais tester ma patience, mais les meilleures choses viennent souvent
dans la difficulté, on peut dire. Si on est philosophique. Je sais que jeu vidéo, on en a parlé un peu avant le show. C'est arbitraire, c'est pas comme aller au gym à tous les jours et d'être satisfait de la masse musculaire que tu as bâtie. Mais c'est un peu dans la même chose. À travers l'adversité, tu te sens mieux. Puis, tu sais, un peu quand tu vieillis, genre, moi, j'ai tout le temps aimé ça être un peu. Finir des jeux difficiles. J'aime ça un peu comme genre dire, comme genre. Mes réflexes sont encore bons. Ouais, non, je comprends. Cool. Fait que, dans le fond, à éviter pour moi complètement. À éviter pour toi complètement, mais en même temps, si vous savez, c'est sûr que le review en tant que tel n'est pas trop long. Si tu sais en tant que tel, tu sais si t'es un. Si tu vas aimer Nioh 2 ou pas, tu sais déjà.